La patrouille de France est attendue demain dans le ciel d'Alsace. Elle participera à l'un des plus grands meetings aériens de l'année et ça se passera à Colmar-Mayenheim. Aujourd'hui déjà, on pouvait voir évoluer des formations espagnoles ou turques. L'occasion aussi de spéculer sur l'avenir. Quel appareil pour remplacer le Mirage F1 ? C'est la question qui agite les amateurs. Reportage Roland Dinkel, Denis Becker. Regardez, voici le premier Boeing que la firme américaine a produit. Entre ce Stearman et le dernier 787, on mesure l'évolution du milieu aéronautique civil. L'armée aussi n'est plus ce qu'elle était. Évolution technologique, changement géostratégique et réduction budgétaire ont imprimé à la Grande Muette une image différente en constante évolution. À Mayenheim d'ailleurs, c'est probablement une des dernières apparitions du Mirage F1 CT lors d'un meeting régional. C'est un appareil qui arrive en fin de vie, donc il sera retiré du service. Il sera remplacé dans l'armée de l'air par le Rafale qui sera bientôt mis en service officiellement à Saint-Dizier au cours du mois de juillet, sur la base de Colmar par d'autres appareils. À l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire lesquels puisque les études sont en cours. On ne peut pas exclure que Mayenheim accueille à terme les activités de l'aérodrome de Colmar. C'est une question qui est à l'étude, c'est une question qui est très politique. Je ne me prononcerai pas. C'est un vieux débat, puisque c'est un débat qui a démarré, vous le savez bien, en 2001, 2002. La question reste posée. Demain, la date symbolique du 18 juin devrait renforcer les liens fraternels qui unissent la communauté aéronautique internationale par-delà les frontières géographiques, linguistiques, culturelles et religieuses. C'est peut-être en ce sens que la patrouille turque nous adresse cette figure qui semble ironiser autour des frontières européennes. Les limites de ces frontières, les voici. C'est un geste d'amour et il vient de l'armée. Tout a changé, me direz-vous. Affirmatif.